Et salut à vous tous, les amis, les viewers, les abonnés, bonjour à vous, membres de la chaîne, de la communauté Google Plus French Open YouTube Ads, comment allez-vous? C'est LT de retour sur Wipeout, je l'ai fait avec le connu sous le nom LT Gigi Giga. Donc, une nouvelle vidéo sur Wipeout, alors j'en fais pas souvent d'habitude, j'en fais occasionnellement. Mais là, je vais donc continuer à en faire, donc pour un viewer. Voilà, donc une petite dédicace à Imagine Air, donc qui aime ce que je fais sur Wipeout HD Fury, qui veut que je continue. Donc tant mieux que ça lui fasse plaisir. Et je continue de faire du Wipeout HD Fury, c'est un petit peu. Voilà, c'est ce qui se fait dernièrement sur YouTube. Donc voilà, je vais continuer. Et donc, alors on va faire. Si les serveurs sont bon, quand même, ils ont dû stopper la live, c'est ça que je voulais vérifier. Alors, on va peut-être faire du carrière d'abord, ah, de la campagne. Alors, Fury, ouais, je vais voir HD ce qu'il y a. Bon, là on va se la faire quand même. Donc vous en faites pas pour les vidéos sur le potage des furets, il y aura une miniature très prochainement. Après, je sais pas quand j'en ferai une. Savoir ça. Qu'est-ce que je prends? Donc voilà, si ça va pour Wipeout, et ben ça devra aller. Alors là c'est en HD, donc là ça devrait être plus simple. Parce que c'est les séries Fury qui sont plus difficiles. Donc les séries HD normalement ça devrait être plus facile. Voilà, des jeux donc, qui stoppent le online, c'est un peu comme Need for Speed Shift que j'ai, ça fait 4 mois que j'ai depuis. Donc figurez-vous, enfin, petit peu moins, ça fait 3 mois et demi que j'ai, figurez-vous, il n'y a plus rien également. Donc tant mieux, je suis pas emmerdé. D'ailleurs, je vous proposerai du Shift durant ces vacances, parce que moi je suis en vacances à partir du 19. Au soir, enfin le 19 en début d'après-midi pour moi. Puisque sinon j'aide mes parents dans leur magasin quand il faut, ou alors je vais à l'épicerie sociale. Là, je fais du bénévolat le jeudi et le vendredi, le matin essentiellement, donc du coup. Ça me laisse du temps donc, pour pouvoir vous proposer des vidéos. Sachant que j'ai un petit peu plus de temps vu que là je suis un petit peu en une année sabbatique,
Disons que j'ai passé le deuxième rattrapage du bac officiel en septembre. Bon voilà, le premier il a été annulé. Le deuxième rattrapage qui était en gros le rattrapage officiel, celui qui comptait pour moi au final, et ben je l'ai passé fin septembre le 23. C'est bien ce que je vous disais, les séries HD sont plus faciles que les séries furées. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai après que je pars certains trucs que j'ai pas fait. Ah, je vais m'en faire, de toute façon, ça là, c'est pas un circuit qui me réussit. Ah ouais, bon, rapier là, il faut pas déconner non plus. Mais on va essayer, tiens, pour voir. Par contre, je prends la leçon la plus efficace, plus maniable. Ouais, je prends un chasse AI où je suis un peu plus adapté avec je m'adapte mieux sur le circuit de Mont-Aterma avec cet engin là. Alors après il y a un petit youtubeur français de Wiping Geek, je crois, si je me trompe pas. Il fait des vidéos également sur du Wipeout, mais le Wipeout 2048, j'essaierai de voir si j'ai l'occasion. Là j'ai un petit peu perdu de vue certaines chaînes depuis, parce que je regarde essentiellement du Sébastien Vévo en rallye. Ouais, voilà, je suis un petit peu passionné par le rallycross ces derniers temps. Ah, j'ai oublié de vous préciser encore ce que voilà. Enfin, je l'ai peut-être dit lors de la vidéo précédente, je sais plus. Donc si vous vous faites tuer en course normale, bah, vous mourrez tout simplement. Voilà, vous êtes classe. Vous êtes considéré comme abandon. En fait, on se gagne une élimination. Ah, punaise, j'arrive pas à dépasser moi cet endroit-là. Bon, rapier, quand même, ça commence à faire assez. Ah, ouf! Et là, je voulais absorber mon. Je voulais me régénérer en énergie, bah, c'est raté. C'est 58%, il faut que je tienne le coup. Ça ne va pas être gagné. Bah, je suis trop loin de la première place. Et je m'impose sur le fil. Un dernier virage. Ouais, faut que je vous annonce, après sa première course rapière que je gagne. Et c'est ma toute première. Ouais, pour le coup, ça me fait une en moins, alors. J'ai un petit peu coincé. Bon, tout rapide en flash, ça passe encore ça.
peu une formalité. Voilà. Je vais vous montrer donc tout rapide. Donc sur un circuit où j'ai un petit peu plus de lecture. Voilà, on va donc changer un petit peu de gabarit en termes de vaisseau. Donc voilà, sur le circuit de Metropia. Ah, si vous voulez, on fait Wipeout HD, Wipeout Fury, voilà. Et donc, ils ont tout simplement fait une fusion des deux. En PS3. Et quoi. Vous voyez, donc 37 secondes pour la médaille d'or. Donc, je vous rassure, moi je le fais rarement du premier coup. Ça dépend des circuits quand même. En général, je le fais rarement du premier coup. Il y en a où je suis vraiment. Où je suis vraiment un dingue, là où je le fais vraiment du premier coup. Tout simplement mon circuit préféré. Après, il y en a que je. Qui est en mieux. Juste pour les éliminatoires, tout simplement, c'est celui où j'ai perdu le moins de vie. Voilà, pour être honnête. Voilà. C'est donc déjà que je dois améliorer. Des fois je prends n'importe quelle solution donc pour grappiller quelques dixièmes, quelques secondes. Alors, en général le départ c'est pas facile. Donc, j'espère que là ce sera mieux. Ouais, et de juste. Donc le mode photo terme proche, on va faire proche, voilà, juste pour vous montrer. Voilà, après il y a circuit. Bon là, c'est différent. On a cherché. Ah, j'ai quand même pris 9 pavés de vitesse. Je crois en avoir pris un petit peu moins. J'ai débloqué une nouvelle épreuve. Alors c'est un tournoi. Flash. Tiens, juste moi, je vais vous proposer un tournoi. Pas en carrière, on va aller en épreuve. On va aller dans le Xbox. Alors, qu'on va se donner des tournateurs, je vais vous montrer plein de trucs. Alors, on va aller en. Bon, il y a certains circuits qui ne réussissent pas. Voilà, donc ensuite, ouais. Voilà, c'est pas avec ça que je choisis le nombre d'épreuves. C'est ce que je me disais. Ensuite, alors donc les circuits, bah, donc on va commencer par prendre un autre que j'aime bien quand même. On va prendre celui-là c'est cool. Comment on fait pour ajouter? Ah oui, voilà, comme ça. Direction, ça se voit. Celui-là je l'aime trop, tout simplement. Là j'ai enchaîné je détiens tout simplement un record de morts en un seul tour. Ça a été un carnage. Je m'en suis tapé 6 élimination en un seul tour. Je ne voudrais jamais circuit là. Et après, je vais peut-être vous en proposer un quatrième au moins. Ouais, il y a comme ils disent les bronzés, il y a 10 soleils, il y a des nanas.
lancer le tournoi. On prend autre chose, une cause d'autre. On va prendre ça quand même, c'est pas mal. Les couleurs, j'aime pas tellement, mais le style, ouais, le style me plaît bien, le nom aussi. Tout simplement, classe quoi. Bon, petite pause, boisson s'impose. Je vais prendre un petit peu d'ice tea à la pêche. Pas du Lipton HT, c'est une petite marque. Attendez, je regarde où c'est fabriqué. C'est fabriqué en Allemagne, celui-là. À mon avis, ils ont dû trouver ça chez Lidl. Mes parents. Allez, on est parti. La première course de ce tournoi. Plus avec une vue aérienne comme ça, c'est classe. Bon, moi je préfère dans l'autre sens. C'est mieux. C'est mieux dans l'autre sens. Ouais, effectivement, je préfère l'autre sens moi pour l'éliminateur parce que c'est plus. C'est encore plus badass parce que les mecs ils arrêtent pas de se suicider. Et ça c'est plutôt cool. Oula! Il y en a un, ils viennent de se faire flasher par le radar hein, en excès de vitesse. Ah, mais je viens de là dans mes potes, il n'y a même pas de radar. Allez, moi aussi! Je me fais flasher. Ah bah elle me fait coup douce en plus. Je crois que là je viens de trouver mon ennemi, number one. Pas punaise. Ah, il est passé rapide dans le virage. Petit bémol de ce vaisseau, c'est qu'au virage, il n'est pas rapide. Il n'est pas rapide sur les virages. Ouais, donc là, c'est la course suivante. Donc, sur le tracé Tegdera. C'est le décor, ça me fait penser à. Au désert américain avec les canyons. Mais fait tatouin là, je sais plus comment. Avec les rocheuses là, je sais plus exactement. Ça me reviendra. Ah, puis là, j'ai une vie, ce con. Ah, voilà, le départ sur ce tracé-là, je vous le donne en mille, il est encore plus compliqué que le reste de toute la course.
Finalement, je patauge à la dernière place, ça m'énerve. Punaise de configuration à deux balles. J'ai gagné à peine 6 places en presque 2 tours. Non, rectification 1. J'y arrive vraiment pas sur Siakam et Xeso. Ils m'ont réussi moins bien sur le coup. Un petit peu chier. Ouais, voilà, avec cette petite tête de robot là, ça me fait penser au dessin animé japonais un petit peu. Surtout tac, voilà, je pense à la technologie moi. Ah punaise, à chaque fois que j'utilise le turbo, il y en a un devant. Au final, je termine troisième. Donc voilà, ce tracé qui convient moins bien à ce vaisseau. Il a fallu qu'il mette des virages partout. Hein. Et voilà, je continue à rester premier du classement. On va passer à la course suivante. Bon, celui-là, elle devrait mieux me réussir quand même. Et là, j'ai remporté ma toute première course au Wipeout. Quand j'ai testé alors. Par contre mon. Disons l'un de mes éliminateurs préférés aussi. Je l'ai réalisé sur. Ah bon, c'est pas là où j'ai pas été tué une épreuve éliminatoire. Ah non, c'est pas celui-là, c'en est un autre. C'était le tout premier circuit que je vous ai montré, sauf que j'ai fait dans le sens inverse. Voilà, ça se passe un petit peu moins bien, un petit peu mieux, normalement. Encore quelques difficultés au départ, comme à chaque fois. Cet engin qui a du mal sur les virages, et là je viens de dépasser tout le monde avec un seul turbo. Enfin, tout le monde, tous ceux qui étaient devant, hormis la tête de course. Ah punaise, le bâtard. Là, je me suis fait voler. Ah, c'est pareil, il vient de me casser les pieds celui-là. Je me souviens, dans la même épreuve éliminatoire, j'ai tué 5 fois ce type. Le type de Corex, je l'ai tué 5 fois. Dans la même épreuve éliminatoire, j'ai tué 5 fois. Oula, bah, putain, c'est super le mec qui nous est passé là. Ça, le mec qui avait repris la tête tout à l'heure, je l'ai même pas vu passer. Ah, mais là, je galère, hein. Je galère. Je patine là. Putain, mais ça m'énerve. Oh là là. Putain, ils s'en prennent toujours aux mains. Ils sont chiants, quoi, putain. Là, je crois que je vais perdre la course là, à nouveau. Ça va me faire encore plus chier parce que là j'étais en tête, là je perds tout dans le dernier tour. Il y a vraiment de quoi être dégoûté. Là il n'y a pas de chance, hein. Je finis premier, je perds deux places, je finis troisième, je perds encore deux places. C'est vraiment, mais vraiment pas de chance. Et je suis toujours en tête pour un point, alors là la dernière course ça me permet de porter chance.
Voilà, j'avais fait trois tours merdiques sur la deuxième course et un dernier tour de folie. Et là j'ai tout perdu dans le dernier tour. Alors je suis resté devant sur les deux premiers tours. Ça fait un peu chier. Mais ça me fait même encore plus que chier en plus. C'est le circuit que je connais mieux en plus. Merde quoi. Il y en a un autre, il est mieux, mais pour les combats zone, voilà, des trucs comme ça. Tout le genre. Et là, les larmes que je déteste le plus. En termes d'efficacité, surtout. Là, j'avais tout simplement pas de peau, et là, apparemment, ma malchance est en train de se poursuivre. Et là, il y en a un qui a abandonné, bien fait pour lui. Ça me fait un connard en moins. Là, je me bagarre pour rester en quatrième position. Heureusement qu'il m'avait raté le type. Ah, punaise! Ah, c'est vraiment la partie là où je suis le moins bien. Bon, je vais encore finir troisième, hein. Ouais, faut dire là, j'ai pas été compétitif. Et je gagne quand même, hein. Je gagne quand même avec une seule victoire, il faut le faire, ça. La fois que j'arrive à faire cet exploit. Faut dire que moi j'en ai chié un petit peu. Hein. Alors on en est à combien? 28 minutes déjà. Quand même. Je vais peut-être vous faire un petit éliminator. À 400. On va aller là. Je suis pas avec lequel je vais y aller, alors on va prendre un au hasard. Et là on va prendre voilà les vaisseaux de je sais pas, il y en a. Donc je vous propose deux fois le même circuit, mais là juste là vraiment pour le fun, un petit éliminator. C'est vraiment ce que je préfère le plus. Parce que on peut se faire beaucoup de points de loyauté et ça c'est pas mal. On est parti. On est parti sur les marrons. Voilà, il est déjà à 37 points. Il y en a un qui me passe devant. Pouah, merde, j'en ai explosé un. Ça sert à rien, mais c'est vraiment le seul circuit où j'arrive à me.
à me faire beaucoup d'éliminations dès le premier tour déjà. Ouais, voilà, ça va peut-être être mon tour. Ça continue. Oh punaise, là, je suis raté sur la plaque. La plaque rouge, je l'ai loupée. Ah punaise. Je vais faire stratégie de repli. Mais bon, la stratégie de repli n'a pas marché. De la récupérer si possible. Ah punaise. Je vais le payer ce petit con. Ah, deuxième tour un peu moins prolifique, beaucoup moins même. J'ai quasiment fait zéro pointé. Sans compter les 5 tours pour avoir franchi la ligne. Encore un qui s'est fait éliminer. Et voilà, moi j'en fais deux, des éliminés. J'en fais deux. Et voilà, ça n'a pas marché. Ça c'est vraiment l'arme que je déteste le plus en éliminator. Elle ne marche pas du tout. Je ne vois plus du tout. Avant elle marchait, mais elle ne marche plus du tout. Moi sur tir que là, elle ne marche pas. Ouais, je m'en élimine encore un. Alors deuxième tour, je suis quand même je ramasse quand même quelque chose. Bon bah voilà, l'arme qui a encore pas marché. Avec le flux de récupérateur d'énergie. Le Volvi comme je l'appelle, bon, ça vole rien du tout quoi. Et voilà, pas de peau, encore sur moi. Moi je suis souvent, moi statistiquement, je tue moins de personnes avec le canon emplacement et je me fais plus tuer avec le canon emplacement. Encore à rater. Vous voulez essayer partout, ça marchera pas. Le taux de réussite en moyenne est quasi nul. Allez, bien. Quand je paye un. Hein. Allez, encore raté. Veuillez m'excuser, petite coupure. Veuillez donc m'excuser pour cette coupure. C'était une information voilà, de la part du gérant de l'épicerie sociale, enfin, l'un des gérants du moins. Une petite piqûre de rappel.
pas encore marché, une fois encore. Putain, le statistiquement, ce que je viens d'utiliser sur circuit, c'est nul. 5 éliminateurs d'affilée qu'il a pu fonctionner. Ça marche, moi ça marche pas, je comprends rien. Putain, mais ouais, ça marche pas, putain. C'est nul. Même lui, c'est plus efficace. Enfin voilà, donc voilà, on poursuit dans cette vidéo. Voilà, continuer, donc je vais m'excuser, c'était le taf. Voilà, vous pouvez se fixer. Donc tout simplement pour donner mon avis, voilà, si je me plais bien et tout, ça fait un mois que j'y suis, et donc normalement à la fin du mois de janvier ils étaient censés me demander comment ça se passait, si ça m'intéressait, si je voulais continuer. Donc voilà, on m'a proposé juste avant les vacances, et je leur dirais ça demain, que je réfléchisse. Ouais, donc voilà, vous savez donc déjà que je tourne cette vidéo le jeudi. Alors, en parlant de vidéo, donc j'ai mis en ligne mon tout premier OAV sur Minecraft. Enfin, vous me direz où, ouais. Surtout pour moi, hein. Après, j'ai mis Underground 2. Donc, j'espère que ça vous plaira. Même si j'avoue, mon pilotage n'a pas été très bon. Oh, j'en ai tué un comme ça, sans viser rien, j'ai tiré. Bon, j'ai explosé quelqu'un. Ah ouais, effectivement, j'ai explosé, je suis 409. Alors donc, 11 éliminés. Voilà, je suis tapé 11 gars. Et voilà, je me suis fait kill 3 fois. Je m'en excuse encore pour cette légère coupure, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, donc... Pas de miniature pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore faite. Pour mes vidéos sur Wipeout. Mais j'en ferai une d'ici là pendant les vacances. J'aurai le temps. Donc voilà. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. Donc à la prochaine. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien, c'est les petits clous, bye bye.